Salut à tous, c'est Guitos d'Acrimony. Alors maintenant on est en mode flash mob avec LMFAO, Party Rock. Ok, alors on se lève du canapé, on bouge un petit peu les meubles et suivez-moi. Alors pour LMFAO, Acrimony on l'a remixé, donc c'est à notre sauce. On y va, on commence. Tout le monde accroupi et on compte 8 ans dans sa tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout simple, pareil, 8 ans pour monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On recule, en 8 temps toujours. 1, en swingant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient à sa place. 6, 7 et 8. Donc après, on va bien écouter la musique. Et dès qu'il y a le premier party rock, on fait un cercle avec le bras. On swing. Party rock. Doucement. Après, il fait yeah. Donc pareil, mais du bras gauche, cercle. Et là, attention, on se prépare, on met le pied devant et on tourne quand il fait. Wouh ! Ça marche ? Maintenant, c'est le refrain, la base la plus importante qui va être reprise en plusieurs fois dans la choré. Donc, on se met bien semi-pointe, on est à l'aise, on est léger, bras derrière le dos, on baisse un petit peu, et on va venir sauter d'un pied à l'autre. Donc, d'abord à droite, gauche, et là, la tête va faire un cercle, comme ça, vers le bas. Hop. Comme on a commencé à droite, à part le pied droit, la tête va vers la droite. Après, on inversera, à la gauche, la tête ira vers la gauche. Je reprends la droite. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, la tête. 5, 6, 7, 8. Après, le pied, donc toujours vers la droite. Donc on bouge la jambe droite qui va venir à l'opposé vers la gauche. Donc un pas avec le bras opposé. On serre les bras. Devant, donc derrière. Devant, derrière. Et on va tourner. 5, 6, 7, 8. Je reprends les comptes depuis le début. Donc jambe droite. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on n'oublie pas le poignet. Je ne l'ai pas dit au début. On l'ajoute. Pareil de l'autre côté. Donc. On est commencé à droite, je commence à gauche. Pareil, on se baisse. Et 1, 2, 3, 4. Donc ma tête vers la gauche, comme j'ai dit tout à l'heure. 5, 6, 7, 8. Pied gauche. Donc 1, derrière. 3, 4. Et on tourne en règle en 1. 5, 6, 7, 8. On enchaîne le tout. D'abord à droite, puis à gauche. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Shuffle, le pas de base de LMFAO. Donc on commence, genou droit en l'air avec petit saut. Hop, petit saut. On reprend, saut. Et là, ma jambe va venir remplacer le pied en dessous qui va reculer. Donc quand je le pose, je recule l'autre. Et j'ai le poids vers l'avant. Donc là, on cherche la hauteur. Hop. Et quand je viens poser, je vais devant et mon pied arrière recule. Je fais de côté peut-être. Donc,
haut, et quand je pose, pas de recul. Donc, à droite, pareil à gauche. Je lève, je recule, je lève à gauche, je recule. Maintenant avec les bras. Donc, quand je vais lever mon genou, je resserre les coudes. Je lève le genou, et quand je pose, je viens pousser, comme si je poussais quelque chose avec mes bras. Les bras, ils vont faire que ça, en même temps que les jambes. Donc, je lève, je repousse. Je lève, je repousse. Je lève, je repousse. De côté. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deux fois 8 comme ça. Alors maintenant, le pas du twist côté. Donc on va d'abord vers la gauche, on va faire un petit cercle, vers la droite, un cercle. Donc le pas du twist, c'est très simple. Donc on va commencer sur les deux pieds. Donc on va mettre les pointes vers là, les talons, les pointes, les talons, les pointes, les talons. On va essayer la même chose mais sur une jambe, plus dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça marche? On va le faire maintenant mais en tapant de la jambe en même temps. Alors ce qu'il fait, c'est que ça va aller super vite. Ça va faire direct 1, 2, 3, 4. Sauf qu'en même temps, on fait le pied. Et ouais. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Donc on a fait les pieds. Maintenant les mains, on les utilise aussi. Donc on va essayer de... A chaque fois que le pied donne un coup de pied, la main la suit. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Pareil, donc avec le pied, on essaye. Et 1. 2, 3, 4. Le cercle. 5, 6, 7, 8. Vers la droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais essayer une fois le tout. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors le prochain step c'est des sauts, ça va le faire en deux sauts. Donc je viens sur un point fixe, je garde ma ligne, je fais un saut en arrière sur mon pied, sur mon pied droit, hop, derrière, et je viens sur le côté et j'écarte tout. J'écarte les jambes, j'écarte les bras. Je reviens sur mon point fixe avec la jambe gauche. Je écarte tout. Donc, je reprends, juste ce saut là. Premier saut, jambe droite, ça fait deux fois sur la jambe droite. Derrière, je croise, j'écarte, quand je reviens, jambe gauche, j'écarte, jambe droite, j'écarte, jambe gauche, j'écarte. Quand on le fait vite, ça donne ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deux fois. Alors, mais le pas suivant, on va l'appeler le Bob l'éponge. Facile à retenir. Donc, on va essayer d'être carré. On reste droit, super carré. Les mains, on essaie de les fermer. Les coudes assez haut. Donc, ça va faire d'abord à droite. Donc, le coude et le pied, il suit. Donc, on vient poser la pointe. Et on revient. De l'autre côté. Coude, on revient. Attention, je reviens à droite, mais je reviens. Et ouais, c'est différent. Donc, droite, je reviens, gauche, et deux fois droite. Droite et droite. Donc 5 ensemble, 5, 6, 7, 8, droite, gauche, droite et droite. De l'autre sens, gauche, droite, gauche et gauche. On poursuit avec le King Cobra. Une fois qu'on a fini, le King Cobra c'est très simple. On gonfle la cage thoracique le plus possible. On fait côté, derrière, côté, devant. Donc comme quand on respire. On gonfle. Et là on va venir faire un petit pas en plus. Donc une fois qu'on a fini le Bob l'éponge, on va venir gonfler. Et quand on va tourner, on décale un petit peu. Donc quand on est devant, en même temps que le bus il va à gauche, on décale à gauche.
là, on écoute bien la musique. Ça va faire down, et à down, hop, on va en bas. Donc on finit le bob l'éponge. Ça fait 1 et 2, 3, 4. Alors maintenant avec les comptes, ça va faire et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. Je reviens. 1, 2, 3 et 4 à down. On reprend bien ce repère. 5 et 6. Petite cuillère avec la jambe, donc on lève le genou, petit rond, et c'est pas le pied mou, petit rond, et je pose. Donc à 4, 5 et 6 et 7 et 8, le cercle continue. Donc on est au 4, 5 et 6, donc on pose le pied, et là on va faire le cercle. 7 et 8, on est un petit peu accroupi. Donc on va monter la tête en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on va faire une descente matrix. On va juste poser la main droite à côté du pied. Hop, 7, 8 et on remonte. Maintenant la partie des robots, ça fait 2 fois 8 ans. Donc on commence toujours par la droite. Donc on vient donner un petit coup d'épaule, comme si, hop, je m'en fiche. Donc un petit coup avec la main. Hop, on décale un petit peu. Pareil à gauche. Et là on vient pousser contre un mur pour reculer. Je remonte, on compte, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là il y a un stop. On écoutera dans la musique, ça fait stop et directement les robots. Donc on va partir d'abord à droite, comme toujours par la droite. Donc ça va faire 1, 2. Donc on a les mains un petit peu fermées, pas écarquillées. Donc on va vers la, donc on met vers la droite. 1, 2. Pareil à gauche. 3, 4. On vient poser le genou qui est à droite. 5, 6. Et 7, 8, c'est que des pauses, des frises, donc on est super, super serré. On reprend juste ça. 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, le mur. 5, 6, 7, 8, stop. Et robot. 1, 2, l'autre sens. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors maintenant, deux mouvements. Très simple. Les bras en l'air, et on va taper deux fois. 1, 2, en bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, on le fait en tournant, mais seulement une fois 8. Donc vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derrière, côté, et une autre fois face. Se rajoute juste un petit mouvement, ça va faire un petit peu comme au début. Donc on va partir jambe droite, petit saut, 1, 2, 3, 4, et là un cercle avec les bras. Donc on lève très haut et on écarte, on fait un grand cercle et on part toujours à droite. Donc une fois qu'on a fini, ça fait 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En tout 4 fois. Alors maintenant pour les passages de fin, on se sépare en deux groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est face à face et on laisse une belle allée centrale. C'est nul. C'est pas mal. Maintenant pour les passages de groupe, on se sépare en deux. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est deux groupes face à face et on laisse le milieu libre. Premier passage. Je vous montre de face, mais il se fait normalement en face de l'autre groupe. On commence par 8 pas de pas de côté. Droite, saute, gauche, saute, droite, gauche, encore 4, 1, 2, 3, 4. Descente en 4 temps, coup de genou, 1, 2, 3, 4, petite pause, reviens. L'horloge, on va faire deux fois. Donc je croise la jambe devant, je saute. Deuxième fois. Et ensuite, on la termine par une petite frise côté. Hop, pause. Pour se relever, à la fin de la chorégraphie, il suffira juste de descendre le pied et de se retourner pour finir en pause. Alors, pour le deuxième passage, on va juste faire les pas de prépa de devant, les basiques, les normaux. Sauf qu'on va faire, on va le doubler devant. Donc, ça va faire 1, 2, je reviens. 3, 4, je reviens. 5, 6, 7, 8. Petit saut en croisant. Hop, et je laisse tourner. Après, le 1-2-1-2. Donc 1-2-1-2, on laisse juste les jambes l'une après l'autre et on essaie de le faire en tournant. Ça va tourner tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pose le pied sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je reviens. Frise 7 et 8. Pour remonter, le pied va venir dans le creux du genou. Hop, ici. Et je remonte.
Don't be mad, now stop. Hate is bad. One more shot on us. Another round, you just fill up, look up. Don't mess around, you just want to see. Shake it up, now you won't leave. Put the link.